Ne mentez pas. Je sais que vous, devant votre écran, vous ne pouvez pas me le cacher. Je sais que vous voulez coucher avec cette créature en face de vous. Salut à tous, c'est Titi. Et aujourd'hui, donc du coup, des petites découvertes sur Resident Evil 3 Remake. Le premier Resident Evil 3 qui était sur PS1, c'était celui en 99, évidemment. Donc voilà, ils ont fait le remake comme avec le 2 que j'ai fait il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, que j'ai refait en live sur ma petite sur ma chaîne solo perso. Donc voilà, tout n'est pas là parce que du coup bah, il aime pas trop ce genre de jeu, Resident Evil et tout ça, c'est pas son délire. Donc du coup bah petite découverte avec moi en solo et puis du coup allez on est parti direct. Du coup campagne, vive le cauchemar, oui on s'en fout, les options c'est tout, tout est réglé, les bonus on s'en branle et on est parti dans la campagne directement. Option obtenue était ajoutée. Sélectionné là, on s'en fout. Oui, j'avais commencé une première partie, mais c'est histoire de régler le son et tout ça. Nouvelle partie, où on part en normal. Et puis voilà. Tac. Je passerai sûrement les temps de chargement, comme d'habitude. Hein. Ah là là. Capcom. Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue, les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce soir. Ils assistent à des incendies, des affrontements. On a retrouvé un patient. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. C'est bien fichu. La mise en scène. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Resident Evil. Bon, ça va être sympa. Et il prend de la place, hein. Ah, un Landman cuite. Ouais, je vais faire des cuts, hein, de toute façon. Là où c'est un petit peu long, vous inquiétez pas. Ah bah, je contrôle déjà en mode FPS. D'accord. Ok, alors qu'est-ce qu'on a C'est glauque, hein, son apport quand même. Alors qu'est-ce qu'on a à la télé? Oh, ça marche pas. Oh, les vieilles télé cathodiques. Ah, vous me direz, c'est sorti en 99, le premier Resident Evil 3, donc... Quel temps de merde. Ah, je peux ouvrir la fenêtre. Ah bah je peux fermer les fenêtres, d'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Un plan de Raccoon City. D'accord. Ne dis pas qu'elle a eu peur de son ombre. Bah ça promet hein, quand les premiers zombies vont arriver. Je peux me faire des pattes? Parce que vu qu'on est tous en confinement, bah voilà. Tac. Voilà. Salut. Ils l'ont bien fait la Jill Valentine quand même. Hein. Et là elle te fait un tuto make-up, tu sais. Bonjour ma petite Martine. Oula. What? Ouais, c'est un rêve, c'est un truc comme ça. Ouais. C'est métal.
Ouais, je pense qu'on ferait tous la même chose. Hein. Oh, quelle vulgarité. Et pourquoi je suis en mode FPS alors que la démo je suis en mode TPS justement. Bonjour. Tu as dû à cette ville. D'accord. Enfin, ce sera un best-of, hein, je pense, de mon gameplay. Ouais, j'ai du mal à parler en plus, c'est magnifique. Parce que ce mode FPS, je suis vraiment pas fan. C'est pas pour ça que j'ai pas fait Resident Evil 7. Hein. Je peux allumer les lumières. Oui, merci. Le rapport de Jill. Blablabla. Bla, bla, bla. Vous ferez pause sur la vidéo pour lire si vous voulez. Voilà. Et note d'enquête. Umbrella, oui, machin. Il y a autre chose à faire ici. Je peux regarder une cassette? Non. Qu'est-ce qu'il y a là comme cassette d'ailleurs? C'est ma bite! Oui bon, on s'en fout. Ah. Ah bah elle prend des pilules en plus. Ah, tu m'étonnes, espèce de toxico. Je peux pas aller plus vite en plus. Enveloppe non cachetée. Je peux manger un bout de pizza? Non, même pas. Salut Jill. Eh oui, t'as pas la pureté. Tu es un personnage de jeu vidéo. Tu es censé être parfaite. Sans impureté ni rien. Donc, voilà. Ah voilà, on retrouve le mode TPS comme on l'aime. Ah, le téléphone sonne. Allez, c'est parti. Bah, je sais pas, on va répondre. Il est au téléphone. Il est là-bas. Oh non, j'arrive. Sonne le temps hein, quand même. Allô? Jill, est-ce que ça va? Bah, ça va et toi? Écoute, sors vite de chez toi. Qu'est-ce que tu racontes? Pas le temps de t'expliquer. Attends chez toi, tout de suite. Ok, je me prépare et je... Bah bah what, déjà? What? Bah bah. And his name is John Cena! Ok, c'est parti. Oh putain, faut vite que je me barre. Ah, il est pas là pour rigoler, lui. Hein. C'est dégueulasse. Japon. Un gros plan sur le fion en plus, ça fait tentacule, fion, Japon, normal. C'est beau hein, putain, le RE Engine là, le tape. Ah, bah bah. Ah, je peux pas la récupérer la plante. Non, ok. Allez, faut descendre. Alors je m'excuse si c'est un petit peu sombre. Ah putain, mais il va pas me lâcher. Non. Ah, je me sens tout feu tout flamme.
la vache. Non, tu me laisses tranquille. Cours, 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 cours. Putain. Oh, stars. Ah bah c'est pratique. C'est bon, je peux jouer. Oui, c'est bon, je peux jouer. C'est la panique, hein. Quitter la ville. Ouais, bah ouais, logique, ouais. Est-ce que j'ai accès à mon inventaire? Non, j'ai accès à rien. Oui, l'option tenue, on s'en fout. Brad. Ah, réveil difficile. Premier trophée. Ça va? C'était quoi ça? J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Stars encore en ville. Toi et moi. Ah. Je vais pas moisir. T'as vu ce bordel? Si on reste là, je donne pas cher de notre poste. Bah écoute, vaut mieux se barrer alors. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'en sais rien. Je te sais, les emmerdes n'arrivent jamais seul. C'est pas faux. Oh, la contrefaçon de Top Gun, regardez tout à droite. Courir, L3. Ah bah oui, c'est mieux. C'est le bordel, hein. Oh putain. Mais ils sont combien? Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain la vache. Ah, les premiers zombies du jeu. Oh putain, vite. Non. Première entre la fête. Voilà. Nick fail. Oh. Le premier zombie du jeu. Putain, il a pas fait de cadeau. Hein. En fait, ça m'a toujours fait marrer la réaction de... Enfin, de m'imaginer la réaction de Jeeves face au premier zombie. Vous imaginez, il réagit comme ça. Ouais, je te jure. Ah oui, bah efficace ton lancer de panneau. Ah, ah bah oui, c'est sûr, oui, pense à autre chose. T'as des couilles, mec, t'as des couilles. Des grosses couilles. Oh bah écoute, hein. Il est dans l'état qui doit se trouver maintenant. Oh yes, le premier flingue. Merci monsieur. Ok. Qu'est-ce que je fais? Allez, je vais le shooter. Non. Oh non, ils sont trop nombreux, c'est pas la peine. Allez, on se barre. Je peux passer par le bus? Non. Bon, c'est le bordel. Ok, c'est bon, je peux passer. Ah, j'ai plus qu'une balle, c'est magnifique. Ah, bonjour monsieur. Tac. Je passe par là. D'accord. Bonjour. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Est-ce que ça va? Mais tu vois bien, je suis pas un zombie, moi. Quel lieu sûr? Pas question que je sorte d'ici. Le parking n'est pas loin. Fusil emmené. Le seul lieu sûr, c'est là-dedans. Ah ouais? Et t'as de quoi survivre là-dedans, au moins? Tocard. Je peux l'embêter? Quel est votre nom? Je peux pas vous laisser ici. Dario Rosso. Ah ouais, je vois. Vous voulez voler ma planque, c'est ça? Bah franchement, non, parce que et du coup... Ma belle. Est-ce que vous pouvez vous calmer? Je suis officier de police. Je suis là pour vous aider.
Ouais, je suis membre du Star, tu sais. Vous voulez aider ? Alors allez-vous me donner un de ces bons ? Mais t'es pas gentil ! Il est méchant, toi. Il est méchant. Il est pas gentil, le monsieur. Personne d'autre ne viendra vous aider. J'irai nulle part ! Oui, t'as rien ici. Alors, bon, ok, je me casse. Oh là là. Quel rabat-joueur. Bon, allez, on continue. Un petit peu quand même. Ah, les balles, ça c'est cool. Ah, j'ai un petit couteau aussi de survie. Hop, on recharge. Bonjour. Allez, sors-toi du parking, d'accord. On va avoir un petit gros, un gros plan sur Monsieur le Zombie. Oh, mais Metal Gear. Tintin. Ah, non. Ok. Ah, un zombie gilet jaune, bonjour. Tu veux manifester? Tant pis. Y'a rien d'autre ici? Non, j'ai pas de petite lampe ni rien, parce que je vois que dalle. Bonjour. Oh, lui, il va peut-être me sauter dessus à partir du moment où je vais appuyer sur le bouton, tu paries? Allez, vas-y, on essaye. Ah, putain. Merde. Hop, on essaie dans la jambe. Allez, tombe, voilà, parfait. Hop. Dépêche-toi. Vire. C'est mon ascenseur. Putain. Quelle journée de merde. Je suis pas sûr qu'il t'écoute, hein. Ah bah si, il t'écoute. Bon, c'est la fête. Ok, là vous pouvez être sûr qu'il y a plein de zombies. Il y en a un qui va me sauter dessus juste avant que j'arrive à l'hélico. Sinon c'est pas drôle. Ah bah 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 voilà. Quel retournement de situation, personne ne s'y attendait. Ah, j'aurais dû rester couché ce matin. Oh, le v'là lui encore. Bonjour, pardon. En mode GTA. Je vais pouvoir conduire. Vite, manne-toi, il approche. T'es mort, bordel. Oh. C'est vrai qu'il avait mal de sadomaso, tu sais. Tu vois ce que je veux dire. Allez, c'est parti. Maintenir, R2. Ok. Vite. Allez. Lâche-moi, enculé. Par-dessus la troisième corde. Blablabla, putain. Mais quelle journée de merde. Putain, mais... Incroyable, le truc. Putain, décidément. Oh, le Némésis, je crois qu'il est beau. Non, déplace-toi, vite. Je peux rien faire. Je peux pas viser, je peux rien faire. Ouh, le tentacule. Oh, salut Carlos. Bah voilà, fin du jeu. Je suis là. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est Carlos. Je viens te sauver. Ah, le design de Carlos. Oh, on dirait tellement Miguel dans Tekken. Tu vois ce que je veux dire? Comment il la rec, le Némésis, n'empêche. On est en sécurité. J'espère. C'est là qu'on groupe les survivants. Où ça, là? Les gars ont converti des rames de métro en abri. Crains rien. C'est bon. Me touche pas. C'est bon, j'ai compris. Je suis pas une fille facile.
Ok, suive Carlos. Il est où? Bonjour. Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Ah, tu m'étonnes. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. Tu n'es pas ce genre de mec? Non, merci. Je te laisse. C'est rigolo, ouais. Ah, les blagues. Avec moi, tout va bien se passer. Mais oui. Je suis du BCS, le groupe de lutte contre les menaces biologiques de Terra. Tu te fous de moi? C'est une blague, c'est ça? C'est vous qui avez causé tout ça. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, t'es pas obligé. Mais moi, je vais à la fin. Tout. Bah de toute façon, je suis obligé de te suivre, c'est l'objectif. C'est par là. Sans déconner. Dinobit, bah bravo. Ah, le niveau de la démo. Oui, la démo, je l'avais faite, hein, déjà. Y'a pas de soucis. Oh, les contrefaçons. Terminator. Vas-y, là, y'a quoi? Là, j'ai pas la référence. Ah, Megaman. Sympa. Ok. Bon, allez, on va le suivre. Voilà. Ok, là, c'était la démo. Capitaine. Charmante demoiselle. On va continuer quand même un petit peu et je pense que ça ira pour cette petite découverte pour l'instant. Alors, t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Je m'appelle Gilles. Le Stars. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Je suis Miral Victor. Miral. Avec l'accent, s'il vous plaît. Ouais, bah t'as bien fait ton taf, toi, encore. Comment ça se passe? La ville est complètement coupée du monde. Isolée. La grande majorité des 100 000 citoyens de la ville vont mourir. Enfin, à son parler. Ça fait une sacrée vie quand même pour 100 000 habitants, Raccoon City. Le peloton a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens désormais. Non, mais c'est tellement Miguel en fait dans Tekken, Carlos. Ouais. Eh bien, en fait... Je vais voir que ça. Je vais l'appeler Miguel au lieu de Carlos, du coup. Ouais, ils vont tous se faire bouffer d'un coup. Les hommes n'y arriveront pas tout seuls. Oh, t'inquiète, je vais m'y donner un coup de main. Très bien. Putain, il est beau, hein, le jeu. Hein. Le héros Engine, il fait le taf, hein, sans déconner. Hein. Mais on veut tous la même chose. Merci. Après, ça dépend ce que tu veux. Merci monsieur. Je sais ce que c'est, un toki. Bah oui, hein, du con. Il a pas l'air fut-fut hein, comme mec. Hein. Ok, remonte à la surface. Va falloir t'équiper. Sans déconner. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. Je peux pas le buter? Non, je peux pas le viser. Ok, bon, on est parti. Je vais continuer un petit peu, puis je pense que ça suffira. Du coup. Je peux rien faire ici? Non. Ok, bon, je me trompe de direction, c'est pas grave. Faut que je repasse par le métro. Merde, capitaine. Ils ont salement bouché. Vas-y, fais voir. Oh, ça va, j'en ai vu d'autres. Ok, si je me rappelle bien, il y avait des balles ici. Ah non, fabriquer des munitions. Oui, ça, je sais. Si vous avez fait le 2, vous savez aussi. Si vous avez fait tous les Resident Evil, de toute façon, vous savez que vous pouvez combiner les objets. Tac, allez. Trêve de plaisanterie. Place à l'action. Y'a rien ici. Un petit document ici. Page d'un tabloïd. Tac. Allô? C'est Carlos. Il est sorti de la station? Bah non, deux secondes. Laisse-moi le temps. Dieu m'a chargé de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route? Et comment je fais ça? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche.
Et même pas un s'il te plaît, il n'y a rien, vas-y c'est la fête. Rebelle-toi Jill, bordel de merde. Oh. Allez, une plante verte, merci. Une deuxième plante, de la poudre, merci. Encore, voilà. Tac, triangle, combiner les objets, je sais comment ça marche. Je vais pas combiner les deux herbes pour l'instant, vous allez comprendre pourquoi. Combiner, par contre les deux, ça c'est bien. Hop, on recharge son arme. Je vais prendre le petit couteau. Et vous pouvez péter la caisse ici. Ah, voilà. Fusion, merci. Et la plante rouge, voilà pourquoi vous ne devez pas tout de suite combiner ces deux-là. Parce que c'est plus efficace de combiner une herbe verte avec une herbe rouge. Et voilà. Tac, voilà. Allez, on peut avancer maintenant. Je reprends mon flingue. Je peux l'ouvrir ça? Oui. Ah non, je peux pas l'ouvrir. À mon avis, il va falloir une épingle ou quelque chose comme ça. D'accord. Bien penser à revenir ici après. Dès que j'aurai l'épingle. C'est bon, j'ai tout fait là? Oui, la carte. Alors la carte, si vous... Voilà. Vu que c'est rouge, ça veut dire que vous avez loupé des objets. Et vu qu'il y a le cadenas ici, c'est logique. Allez, on continue d'avancer un petit peu encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'il me faut un objet. Merci Jill pour cette fameuse intervention. Tac. Je vais déposer ma plante pour l'instant. Une petite sauvegarde. Voilà, première sauvegarde du jeu. Hop. Qu'est-ce que c'est? Tout sur les plantes. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Une horloge, le cadenas de tout à l'heure, le coffre à objets, et c'est parti. Allez, encore 10 petites minutes à peu près, et on pourra s'arrêter là. Bon, si vous avez fait la démo, vous connaissez un petit peu le délire là. Faut qu'on fasse repartir ce métro. Allez, bonjour. Bonjour. Hop. Bien visé, Jill. Oh là là, c'est parfait ça. Ok, il n'y a pas d'objet ici, c'est parti. Qui sait qui a eu ces règles en pleine période de confinement? Bravo. C'est dégueulasse. Hop. Bonjour monsieur. Ah bon, il y en a un qui arrive là, oui, voilà. Hop. Raté. Raté. Dégage. Si tu peux juste tomber. Voilà, parfait. Allez, j'avance. Hop. Eh, je peux pas faire du... Non ? Oh, ça aurait été bien, ça aurait été bien de faire en pleine invasion de zombies, elle prend le temps de faire un manège, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais, la même serrure que tout à l'heure, donc oui, il va falloir une épingle ou quelque chose comme ça. Messieurs, bonjour. Alors, je vais reprendre le couteau, voilà. Hop. De la poudre, merci. On reprend le flingue. Principal, pour Jaillou. Tu vois une tour de transmission? C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire, ça qui est en feu? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. Oh là là, ferme ta gueule. Ouais, voilà, merci Jill. T'as tout dit ce qu'il fallait. Messieurs! La barrière, elle va pas tenir longtemps. Hein. Ok. Voilà. Logique. Allez, venez par là. Approchez, approchez. Approchez-vous encore un petit peu. Et attention, c'est parti. Facile. C'est quand même facile ce jeu. Je fais le malin, je vais mourir dans deux secondes, ça se trouve. Ok, là il manque des objets, clairement. Oui, bah de toute façon c'est là où je pouvais pas attendre le magasin. Ok. On avance encore un peu.
Ok, 1, 2, 3. Est-ce que je peux viser ça? Ah oui, ça marche bien. Blablabla. Bonjour madame. Tiens, t'as du plomb dans l'aile. Ah, putain, ça va être long. Tac. Hop, ils sont tous électrocutés. Ah, ils se réveillent. Bonjour. Je peux recommencer, non? Non. Ok. Regarde qu'il se réveille pas, lui. Hop. Raté. Putain. Dernière balle. Ouh. Voilà, ça suffit. Allez, on continue. Oula. Ok. Oh, j'ai plus de balles. Je vais crever. Ok, combinaison, je l'ai pas encore. Le journal du pharmacien. L'aquacure. Tac, de la poudre. Ouais, je pourrais faire des balles. Combiné, tac, voilà. On recharge. Oui, bah je sais comment recharger, merci. Normalement, il y en a un là. Oui, bonjour monsieur. Hop là. Il tombe. Hop. Voilà. Oh, ils ont vraiment rien changé par rapport à la démo. Ah, normalement il y avait quelqu'un ici. Tac. Messieurs, dames, bonjour. Ah. Oula, putain, il y a du monde. Hop, un bidon. Tac. Parfait ça. Ah putain, je l'avais pas vu. Alors, je dois clairement me laisser tranquille. Tac. Tac. Hop. On prend le couteau vite. Hop. La poudre. Reprends ton flingue. Bonjour. Tac. À terre. Ok. Et reviens là, gilet jaune. Ah, Likemlo. Ah non, c'est bon, il s'en sort. C'est bien, intelligence du zombie. Tiens. Qu'est-ce que je vise bien? Oh. Ah, la combinaison du coffre. 9 à gauche, 3 à droite, 7 à gauche. Alors attends, 9 à gauche, 3 à droite, 7 à gauche. Ok, ça marche. On va aller débloquer ça. Il est vivant encore, lui? Enfin, façon de parler. Je l'ai évité. Tiens. Oh, headshot. Oh là 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 là. Oui. Merci, merci. Alors on a dit 9 à gauche. Tac. 3 à droite. Et 7 à gauche. Hop. C'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le viseur pour le pistolet, c'est cool. Hop. Combiné. Et voilà. Et voilà, c'est homologué ça. Bah écoute, faut croire. Tac. Ah bah j'ai un viseur encore mieux, c'est magnifique. Bon, je pense que je vais arrêter là pour cette petite vidéo. Tac. Bah du coup, en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça. Vous savez quoi faire. Hein. Voilà. Il n'y a pas de problème. Bon allez, sur ce, c'était Titi. Voilà, je vous fais des bisous. Puis bah à bientôt sur la chaîne. Allez, à bientôt. Oh, attention, chérie, ça va couper.